Aïe, aïe, aïe. Oui, une petite loupe là, une petite loupe là. Pour changer un peu, on peut aller là. Battle Royale, vous avez l'autorisation d'attaquer. C'est sûr. Caisse de ravitaillement. Bon bah écoute, je suis venu là, il y a l'air d'avoir personne. Tranquillou, je vais pouvoir faire mon petit loot. Mon petit loot biloot. Bon, 2400 balles, ok. On a déjà fait un tiers de l'opération. C'est pas mal. Bon, généralement en solo, tu sais que il y a de grandes chances que quand tu fais la loupe, ça se résulte par rapport à une petite caisse hein, derrière. Oh. Ah, je me disais bien, j'ai entendu un bruit. Coquin, va. Coquin. Ah, je me serais attendu un petit 100 balles quand même pour acheter un drone. Le gaz est à proximité. Je suis toujours debout. Il me l'a bien mise. Gardez, éliminez-les ou capturez l'objectif. Je suis mort où moi déjà? Putain, je suis paumé, attends. Je suis mort là, hein. Bon, je pense qu'il aura pris mon loot, mais bon. Mais en vrai, la question c'est d'où il sortait ce trou de balle au final, parce que j'étais à côté du bus et bah il y avait personne là. On vous envoie un largage tactique. C'est lui qui m'a buté, non? Drone ennemi au-dessus. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Peut-être pas. Le gaz est à proximité. Cherchez la dernière. Il y a un shop, il y a un shop, parfait. Demande de reconnaissance de la zone. Un drone arrive sur. Autorisation zone. De lancer la frappe aérienne. Ici l'odeur de frappe à dispersion envoyée. Objectif principal atteint. Les caisses de ravitaillement ont été trouvées. Approche de votre position. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Autorisation de lancer la frappe aérienne. Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Ça, je veux dire, petit effronté. Hein, c'est fini les conneries. C'est lui qui me traquait en plus, hein. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Il était en bas, mais de l'autre côté. Un ennemi atterrit dans la zone. Ah, c'est lui. Il vient récupérer son stuff. What?
Silence de mort. Ok, jusqu'ici ça va, un peu mieux, avec un peu plus de kills. On va aller à ce shop là-haut. Ouais, écoute, je voulais un drone. Sympa le jeu. Je pensais qu'il m'avait vu ou entendu, non? Non, non. En tout cas, il a bien loot, hein. Ça, y a pas de... Y'a pas de suspense. Ah. Lui c'est sur le toit, soit il vient d'une Nakatomi, soit... Drone ennemi au-dessus. Le mec l'a tué. Je pense qu'il faisait le mariole, tu sais, genre il faisait une petite, un petit truc ou quoi. J'ai aucune idée de ce qu'il faisait. Mais il le faisait. Le manque de reconnaissance de la zone. Un drone arrive sur zone. Le gaz se rapproche. Rejoignez la. Et je pense qu'il devait être surpris de l'avoir tué ou je sais pas quoi et... Et du coup... Attention, le drone n'a plus de place. Retour à la base pour ravitaillement. Mais le mec c'était chelou parce que quand je l'ai buté il bougeait plus. Comme si comme s'il était en train de fêter son truc ou je sais pas. Il a sûrement dû le buter d'une façon. Parce que comme il s'attendait pas à ce qu'il y ait un gars là. Ou pas, je sais pas. Bref. Je me pose trop de questions. Il est mort, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Ok, dommage. Il en reste plus que 10. Je crois que derrière c'est safe. Hein. Il a pas voulu pas l'air d'avoir envie de tenter. Gaz, on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Oh, celle-là elle est dégueulasse. Ce genre de gars il va te la mettre. Hein. La frappe. Bah oui, je vais jeter une frappe dans le vide. Je tente de le mettre à terre pour jeter la frappe, s'il te plaît. Ouais, c'est un peu salope ce que je fais, mais... S'il monte... Vous êtes dans le top 5. Bon travail.
base en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Le mec, elle est pas fantôme, hein. What? Qu'est-ce qu'il parle? Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Autorisation de lancer la frappe aérienne. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. C'est réussi. Cible éliminée. Ouais. Je pensais qu'il allait partir sur la gauche, mais c'est vrai que ça fait du sens. J'aurais dû me plaquer derrière. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était une belle game.